Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, voilà, c'est pas beauté, c'est pas tout ça, mais c'est juste pour en savoir un petit peu plus sur moi. Je sais que vous aimez bien ce genre de choses là aussi. Donc c'est 5 trucs bizarres sur moi. Enfin c'est des trucs bizarres que je fais ou que j'ai, et voilà. Et limite je vous donnerai un petit truc bonus à la fin. Alors, premier truc bizarre, c'est que en fait c'est génétique. Mon papa a la même chose, ma grand-mère maternelle avait la même chose, ma tante a la même chose. En fait on a les doigts tordus, enfin les majeurs tordus. Voilà, je sais pas si vous allez bien le voir comme ça, je vous ferai un gros plan. Mais si vous regardez, on a le, et c'est aux deux mains, hein, le majeur qui part de travers. Pour vous montrer à quel point il est de travers, je le fais avec celui-ci. Voilà, donc les autres, c'est droit. Celui-là, qui n'est pas droit. Et c'est la marque de fabrique de mon côté paternel. Alors, pour rester sur les doigts, la deuxième chose, c'est que quand je suis fatiguée et pour m'endormir, je frotte mes ongles. Donc, l'ongle de mon pouce sur le bout de mon majeur, comme ça. Et je fais des petits ronds avec les deux, jusqu'à ce que je m'endorme. Voilà. Et quand je commence à faire ça, ben je sais qu'il est temps que j'aille me coucher parce que je suis fatiguée. Et voilà, ça endort un petit peu le bout du doigt, mais c'est agréable. Donc voilà. Essayez, vous verrez, c'est drôle. Pour le côté dodo, quand je me couche, automatiquement, je retourne mon oreiller. Donc, quand je vais me coucher, je retourne mon oreiller pour avoir le côté bien dodu, le plus proche de ma nuque. Mais si je me lève 2 secondes après parce que j'ai oublié d'éteindre la lampe, je retourne encore une fois l'oreiller. Si je me lève pour aller faire pipi, je retourne encore une fois l'oreiller. Voilà, je suis tout le temps. Dès que je me couche, je retourne l'oreiller. Même si ça fait 2 secondes que je veux de le faire, il faut que je le refasse. Alors, pour les ongles, pour le côté ongles, mes ongles des pieds, j'ai mes ongles du deuxième orteil. Voilà, pas le gros, celui d'après, qui pousse de traviole. Donc, il pousse aussi bien de traviole comme ça. Que, en fait, c'est quand même bizarre, mon ongle, il est, en fait, si vous voulez, si vous regardez l'ongle de profil comme ça, vous avez un côté droit et un côté courbé comme ça. Donc, mon ongle fait ça et il pousse en hauteur en même temps qu'en longueur. Donc, je ne vous raconte pas pour le couper, c'est vraiment la croix et la bannière. Les jolies pédicures, j'oublie, puisque mon ongle est toujours coupé, quasi j'ai plus d'ongles une fois que je l'ai coupé. Et donc en chaussures d'été, je cherche toujours des chaussures où on voit pas mes orteils. Une autre manie que j'ai, que je fais un peu moins quand même, je le reconnais, mais que je faisais vraiment beaucoup pendant mon adolescence, mais là je le fais un peu moins, mais je le fais quand même, c'est manger l'intérieur de mes joues. En fait je sais pas pourquoi je mange mes petites peaux des joues en intérieur, et j'arrache et j'arrache et j'arrache. Des fois je me fais mal, je me mords, mais je sais pas pourquoi je fais ça. Donc si vous aussi vous avez des petites manies particulières dans ce genre là, un peu bizarre, dites-le moi en commentaire. Et enfin un autre truc que je pense pas que ce soit si bizarre que ça, que je pense que c'est une routine mais qu'on ne vous dit pas forcément, enfin que c'est une routine, que c'est habituel pour beaucoup de monde, mais que tout le monde vous ne dira pas, c'est que je filme toujours, 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 sans soutien-gorge. Voilà, je sais que vous êtes ravis de le savoir, mais il fallait que je vous le dise parce que voilà, vous nous voyez souvent tout apprêté. Je sais qu'il y en a qui filment en bas de pyjama, d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui. Je suis en bas de pyjama et sans soutif. Voilà. De toute façon, c'est une de mes habitudes. Dès que je rentre chez moi, j'enlève mon soutif parce que je ne supporte pas d'avoir un soutien-gorge quand je suis chez moi. Je trouve qu'on est tellement plus à l'aise sans. Voilà. Donc voilà, j'espère que ces 5 ou 6 petites choses bizarres vous auront plu. Bah, dites-moi en commentaire, vous, si vous avez vraiment, vraiment, vraiment des choses bizarres. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. 235 euros juste pour le teint. Pareil. Donc ensuite j'utilise ça, donc les jumbo ça change régulièrement, j'utilise soit celui-là, soit celui qui est plus. Celui-ci je l'ai eu par la représentante, donc je ne l'ai pas payé non plus. Et j'en mets un highlighter, donc encore un highlighter, et surtout si vous allez voir, moi j'adore faire ça quand je ne fais pas grand chose.